d'être ici avec vous à la Philharmonie, avec tous les enfants qui représentent Orchestra numéro 2 et de voir la Philharmonie complète, pleine. Ça fait très très plaisir d'avoir autant de monde dans la salle. Alors, vous pouvez venir vous installer, les futurs solistes. Quelques mots sur ce projet un peu fou. On a 100 pianos ce soir devant nous et c'était important en fait, avec cet instrument qui n'a pas l'occasion de faire de l'orchestre, de leur proposer justement cette expérience incroyable d'orchestre. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, moi je suis moi-même pianiste, enfin je l'ai été, et j'étais extrêmement heureuse de rejoindre le projet, notamment pour les nombreuses répétitions qu'il y a eu à Saint-Maur où moi-même j'étais étudiante dans la classe de Christine Fourlut. Donc c'est un grand plaisir pour moi de les retrouver 10 ans plus tard ici, et surtout l'occasion pour ces enfants, à travers l'orchestre, d'apprendre à jouer ensemble, d'avoir le plaisir de jouer ensemble. Parce qu'il faut savoir que le piano, c'est quand même un instrument assez solitaire, et qu'on est souvent tout seul devant son piano pendant plusieurs heures, et qu'on n'a pas vraiment l'occasion parfois de faire de la musique de chambre, peut-être des quatre mains, comme vous pouvez le voir sur les pianos. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est de jouer le répertoire d'orchestre. Donc ce soir, on a un thème qui est important, festif, c'est le thème de la danse. Et à travers toutes les pièces que vous allez entendre ce soir, il y a toujours l'esthétique de la danse qui traverse les siècles. Et à travers cette esthétique-là, les enfants ont pu apprendre pendant les répétitions, par exemple, à respirer ensemble, à s'écouter. Et je leur ai parlé même parfois du geste d'un archer, comme dans l'orchestre, pour regarder les voisins. Donc ça, c'est vraiment un projet extraordinaire, je pense, pour eux. Une expérience unique de jouer ensemble cet orchestre. Et on est très heureux ce soir de vous recevoir pour vous présenter ce projet qui a été construit sur 1 an. Je vous laisse profiter de la suite du concert. Thank you.
danse baroque. Un petit mot aussi, parce qu'il faut savoir que ce programme qui traverse tous les siècles, c'est également un programme qui permet de jouer des compositeurs vivants. On a la chance pour ce projet d'avoir quatre compositeurs, Oran Donadio, Chloé Le Gac, Maya Yamazaki et Malo Courbaron, qui ont vraiment traversé et voyagé un peu partout. Vous allez voir, il y a des percussions, il y a des récitants, il y a des chanteurs. Donc il y a plein de surprises. Et pour les enfants, c'était aussi l'occasion, voilà, de découvrir autre chose que le piano et de s'amuser autrement. Et ça parle du Japon, ça parle un peu de tous les pays. Et on était extrêmement heureux de le faire. Il faut savoir également que les arrangeurs, je remercie Christine Folut, professeure de piano, pour les arrangements, et Martin Mavilla, qui se sont prêtés au jeu de composer, de réécrire les partitions pour tous les niveaux. Parce qu'il faut savoir qu'on a des enfants qui vont, je sais pas, de 7 ans jusqu'à 18 ans. Et ce qui était extrêmement agréable aussi, c'est ce rapport qu'on a de grands frères, petits frères ou petites sœurs, grandes sœurs, et d'avoir cette collaboration ensemble, et qu'avoir la grande expérience des grands pour aider les plus petits, et d'évoluer tous ensemble. Et ça, c'est extraordinaire, et on l'a fait dans les créations que vous allez entendre maintenant. Bye.
mon swing, on va revenir un peu au classique quand même. Et comme ça s'appelle Piano Orchestra, on avait évidemment envie de mettre à l'honneur pour l'orchestre le ballet. Alors, qui a composé les grands ballets? Évidemment, il y a un compositeur qui nous est venu tout de suite à l'idée, c'est Tchaïkovski, avec Casse-Noisette. Donc là, vous allez entendre maintenant le grand ballet de l'époque romantique, avec Trépak, et après la Fée Dravée. Thank you.
Japon, on revient maintenant, alors on a parlé de ballet, on a fait du symphonique, mais je pense qu'il manque quand même autre chose. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Qu'est-ce qui manquerait dans le répertoire? Une idée? Ça commence par un O et ça finit par un A. Opéra, merci. Alors dans l'opéra, on a choisi une ouverture extrêmement festive, Die Fledermaus, qui veut dire la chauve-souris. Alors cet opéra, il est très comique, il parle de champagne, il parle de fête, et on s'amuse énormément. Alors c'est très virtuose pour le pianiste, parce qu'évidemment c'est une pièce orchestrale qui a été adaptée pour le piano, et vous allez voir, on s'amuse beaucoup. Thank you.
sa fin. Avant de terminer en musique et en beauté avec vous, je voulais remercier tout d'abord tous ceux qui ont participé à ce projet depuis un an, à commencer par les professeurs et les enfants qui ont travaillé toute l'année pour vous proposer ce concert incroyable. Je propose de les féliciter. Vos enfants et tout d'abord le Conservatoire Paris-Est Marne et Bois qui est un grand soutien, qui a travaillé avec la Philharmonie. Je remercie également toutes les équipes de la Philharmonie qui ont encadré et tous les techniciens ce soir qui vous permettent de faire ce concert. Et c'était une grande joie, une grande fête d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été présents et vive la musique. Thank you.
Merci aux quatre compositeurs, on les applaudit très fort. De Saint-Maur-des-Fossés, de Gris-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, je vais en oublier, Vincennes. Donc on remercie tous ces professeurs et tous ces élèves du Val-de-Marne.